Bonjour à tous, c'est Erkin, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur GTA Online et aujourd'hui je suis très content car je vais vous montrer comment sauvegarder le bus de Vinwood dans votre garage. Oui, ça fait très longtemps que j'essaie de faire ça, si vous êtes dans le crew, vous savez comment j'ai vraiment eu envie de le sauvegarder et donc je vais vous montrer ça tout de suite. Et surtout, si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce vert, vous abonner pour voir la prochaine vidéo et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Alors en fait pour le sauvegarder c'est très simple, il faut faire la même technique que pour le camion du SWAT, il faut casser une porte, donc je vous ai montré ici comment le faire le long d'une porte, vous rentrez assez vite, la porte reste ouverte et ensuite vous reculez, ça casse la porte. Et ensuite très simplement vous arrivez devant votre garage, vous vous y garez, ça va vous dire que le véhicule ne peut pas être rentré, vous sortez, avec de la chance vous n'allez pas rentrer dans le garage directement. Et vous faites le glitch avec le viseur, donc vous visez de l'autre côté de la porte du garage et ensuite vous rentrez dans le camion une fois que vous êtes arrivé à la porte tout en restant appuyé sur la visée R2. Je conseille de le faire quand votre garage est plein car j'ai l'impression que quand le garage n'est pas plein ça ne fonctionne pas. Et là vous allez voir que je vais remplacer une de mes oracles par le bus de Vinwood. Donc vu qu'il est un petit peu gros, il a du mal à se garer au début mais finalement ça va, ça se range plutôt bien. Et voilà. C'est pas la classe quand même ça, le bus de Vinwood à côté du véhicule du SWAT et du véhicule du FBI. Ah, je suis vraiment content de ce que j'ai fait aujourd'hui. Si jamais vous ne savez pas où trouver le bus de Vinwood, n'hésitez pas à me demander dans le commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et je tiens à confirmer que ce glitch fonctionne encore après la mise à jour 1.05, parce que je viens de la faire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos amis si elle vous a servi à quelque chose, à y laisser un pouce vert. Et surtout, vous abonner pour voir la prochaine vidéo. Allez, ciao, à plus.